L'avis de convocation ayant été dûment signifié à M. le maire Jean-Guy Desrosiers et au conseiller M. Gaston Morin, M. Gaston Caron, M. Yves Gendreau, M. Michel Mercier, M. Marc Lorrain et M. Rémi Langevin, une séance ordinaire du conseil municipal de la ville de Montmagny se tient à l'hôtel de ville ce lundi 23 janvier 2017 à 20h. Merci beaucoup, Mme Lagravière. Nous sommes à notre première rencontre de l'année 2017, donc à ceux qui sont à la maison, on leur souhaite une année extraordinaire et ceux qui pourraient être avec nous, on leur souhaite aussi une année extraordinaire. Donc, on ne tardera pas plus longtemps, on pourrait demander à quelqu'un qui est prêt à proposer l'ordre du jour. Je propose. Monsieur Michel Mercier. Je vais s'accorder. Appuyé de M. Langevin. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Merci beaucoup. Et on en est rendu à une consultation publique concernant des demandes de dérogation mineure. Ça fait que j'inviterai M. Prévost à nous présenter les trois, quatre dérogations mineures. Parfait, merci beaucoup, M. Desrosiers. Donc, on va commencer avec le 237 boulevard Taché-Est. En fond, c'est une demande au niveau de la largeur d'une entrée chartière qui est survenue là, suite à la réfection de la chaussée là, avec le trottoir et la piste cyclable dans cette partie-là de la ville. Donc, c'est l'entrée là, qui était ici avant. Ça, après, maintenant, donc on voit qu'il y a 2 mètres, on a la baisseur est de 2 mètres, là, ça a été fait comme ça, donc on propose de passer ça en dérogation pour conformiser le tout. Donc, ce que c'est en réalité, c'est permettre une entrée chartière de 9 mètres au lieu de 7 mètres, tel que l'exige l'article 5 là, du règlement de zonage. Dans le fond, les considérants pour ça, c'est parce que démolir et reconstruire le trottoir pour enlever 2 mètres là, pour mettre à la norme, ça serait dommageable, néfaste, dans le fond, pour la durabilité de la bordure de béton. Donc, on va l'accepter tel quel. La recommandation du service était favorable à ce niveau-là. Alors, c'était ça pour le boulevard Taché-Ouest. En deuxième point, on avait le 17-411 boulevard Taché-Est. Ça, c'est dans les montées. On parle d'une propriété. Donc, dans le fond, c'est suite à une transaction immobilière. Il y a un certificat de localisation qui a été rédigé. Pour cette propriété-là, entre 2002 et 2007, il y a des travaux d'agrandissement sans permis qui ont eu lieu. Ça a été une reprise de finances. Depuis, on est en au troisième propriétaire. Donc, ça commence à être difficile de retracer la personne qui a fait les travaux sans permis. La demande porte sur la somme des marges latérales. De toute façon, on va voir, c'est pas rien de majeur, là. Donc, ça, c'est le diplan, la propriété, là, qui est en deuxième ligne par rapport au fleuve, si on veut. L'agrandissement qui a été effectué, c'est celle-ci là, qui est soulignée en rouge. Et puis, dans le fond, ça vient jouer seulement avec la somme des marges latérales, parce qu'on respecte ici quand même la somme minimale des marges. Là. Donc, c'est ça, on exige une somme des marges latérales à 8 mètres pour cette zone-là de la ville. Les considérants, une dérogation mineure est nécessaire afin de rendre réputée conforme l'implantation actuelle de la résidence. La résidence bénéficie de droits d'acquis, a été construite avant construite en 1960 pour une marge arrière de recul à 1,8 m là, qui était adossée au rocher. Dans le fond, la nature est faite, vous allez voir, ça respecte quand même le caractère mineur de la dérogation. On parle de rendre réputée conforme une somme des marges latérales à 7,25 m au lieu de 8 m tel que l'exige notre règlement de zonage. La recommandation du service pour ça, c'était favorable. Dans le fond, impossibilité de réduire l'implantation du bâtiment déjà construit. Puis c'est là, depuis un certain temps, on ne pense pas que ça pose préjudice aux voisins. Puis comme je vous disais, la demande respecte le caractère mineur de la dérogation là, dans ses dimensions. Donc, ça faisait le tour pour la résidence. Après ça, on avait le 532 rue du Régiment. Ça concerne un garage. Ça, on vient permettre, donc c'est un autre type de dérogation qui vise à permettre. C'est en zone RB 127, comme vous voyez, là, la propriété est soulignée ici là, sur le plan cadastral.
Dans le but, bon, dans le fond, c'est suite à une demande d'un propriétaire, évidemment. Dans le but de créer du rangement nécessaire à ses activités, le demandeur a déposé une demande de permis de construction pour un garage attenant. Donc, il va être connecté à la maison, mais par un passage. La propriété est située dans le périmètre urbain, mais considérant la grandeur du terrain et la localisation, c'est un petit peu plus à l'est de la ville. On peut dire que c'est en milieu urbain ou périurbain, si on veut. Ça, c'est la dite maison. Ça, c'est les plans là, du garage. Donc, on voit ici la partie qui serait à rajouter. Quand on fournit des plans d'architecte comme ça au service, c'est certain qu'on est un peu plus rassuré sur la teneur des travaux. Donc, c'est fait par des professionnels. Vous voyez ce que je voulais dire par garage attenant. C'est connecté à la maison, mais ça forme quand même un bâtiment séparé. Donc, la superficie du garage projeté, on parle de 94 mètres carrés. La finition, comme la maison, qu'annexaient les pierres, donc c'est quand même assez noble comme matériel. Les marges de recul sont conformes. On voit ici sur le plan cadastral l'impact que ça aurait sur le terrain, donc on s'entend que ça reste quand même à l'échelle, si on veut. Ça, c'est la réglementation actuelle sur le garage. Donc nous, on parle de 55 mètres carrés dans la réglementation. Point de vue du demandeur là-dedans, c'est certain que notre règlement... Ben non, c'est pas certain, mais c'est ce que monsieur allègue. Le règlement est mal adapté à la réalité du terrain. Respecter l'aménagement paysager existant, se conformer à la réglementation pour mettre un garage encastré, ça détruirait un peu les investissements qui ont déjà été mis dans la propriété. Puis on est allé voir, puis on est d'accord aussi. Mieux pour le voisinage, c'est ça, dans le fond, de toute façon, c'est mieux pour le voisinage un gros garage résidentiel comme qui est proposé, plutôt que de subdiviser le terrain et faire deux garages commerciaux de 55 mètres carrés, ce qui serait conforme. Donc, effectivement, on peut quand même être d'accord avec le demandeur que le règlement est un petit peu mal adapté à la réalité du terrain. Les règlements sont faits pour des terrains pas mal plus uniformes, si on veut, là, dans des quartiers. Donc, en somme, la dérogation mineure demandée est la suivante. On parle d'autoriser un garage en cour arrière d'une superficie de 94 mètres carrés au lieu de 55 mètres carrés, tel que l'exige le tableau de notre règlement de zonage. La recommandation du service pour ce point-là, donc on retient les arguments suivants. Le terrain est immense et en milieu, comme je vous dirais, urbain. Il s'agit d'un projet soigné, comme je vous dis, c'est des plans préparés par des professionnels, donc ça nous met en confiance d'habitude. Dès lors, le service recommande favorablement la demande. On parle de bonne foi, puis aussi on parle de peu de préjudice pour le voisinage. On s'entend que le voisin immédiat, c'est une espèce de cour à bois ou industrie qui est reliée à la transformation du bois. Et en arrière, c'est la ligne de chemin de fer. Donc, c'était ça pour le garage du 532. Et en dernier lieu, et non le moindre, on parle encore une fois de permettre. Cette fois-ci, c'est la ville qui demanderait. Donc, on parle de la rue des entrepreneurs dans le parc, le nouveau parc industriel. La ville de Montmagny souhaite prolonger la rue des entrepreneurs afin de contribuer à pouvoir offrir des espaces de qualité aux projets industriels futurs. Donc, présentement, si vous voyez sur le plan la configuration actuelle des lots et de la rue, on a encerclé un peu le tronçon qui va être concerné dans cette demande-là. Donc, on voit que ça fait un terrain triangulaire, puis un autre d'un terrain un peu trapézoïde. Là. Le plan, ça, c'est ce qui est projeté à faire. Donc, on parle de redresser un peu la rue ici pour créer deux terrains rectangulaires qui sont beaucoup plus intéressants. Puis, on parle aussi d'optimiser le terrain. Ça, ici, c'est comme le tracé qui est comme un peu actuel. Donc, on parle de redresser. Puis, on va finir avec une virée au bout là, qui est conforme à nos réglementations. En fait, la dérogation dans ce cas-là, c'est au règlement de lotissement. Donc, on vise à permettre une rue en forme de cul-de-sac d'une longueur de 640 mètres, donc rectiligne, dans le fond, 640 mètres, au lieu de 150 mètres tel que l'exige le règlement sur le lotissement. Les considérants là-dedans, le projet est conforme au plan d'urbanisme. On parle de faire une intervention dans notre parc industriel qui est planifié. Effectivement, aussi là-dedans, c'est la responsabilité municipale d'assurer son développement et de mettre en valeur son territoire. Le service est favorable au projet. Effectivement, ce nouveau tracé de ligne-là permet une utilisation intelligente et optimale du sol.
l'esprit de la réglementation sur les longueurs de la rue est davantage axé sur le résidentiel. Donc, le 150 mètres que je vous ai mentionné tantôt, c'est prévu au règlement de lotissement, mais l'objectif de cet article de règlement-là, c'est d'éviter de créer des longs tronçons résidentiels rectilignes. Là, on est dans l'industriel, donc on croit que la dérogation mineure est recommandable, recevable dans le fond. Ça fait le tour pour... Merci, M. Prévost. J'ai comme l'impression qu'il n'y a pas de commentaires et pas de questions. Donc, on passerait... Je passerai la parole à la greffière pour les différents dépôts. Merci. D'abord, le dépôt du rapport des dépenses autorisé en vertu du règlement décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire qui tiennent compte de délégations de pouvoir de dépenser selon une politique d'achat pour la période finissant le 19 janvier 2017. Puis le dépôt de la liste datée du 19 janvier 2017 énumérant les personnes engagées en vertu du pouvoir délégué au directeur général conformément à l'article 73.2 de la Loi sur les cités et villes. Ensuite, le dépôt du registre daté du 21 décembre 2016 énumérant les occupations du domaine public autorisées en vertu du règlement numéro 1066 concernant l'occupation du domaine public de la ville de Montmagny. Enfin, le dépôt du procès-verbal de correction de la résolution numéro 2016-513. Concernant les différents dépôts, il n'y a pas eu de questions spécifiques. Concernant le dépôt de la liste, à chaque année, il faut renouveler à chaque début d'année, tous les employés qui sont de façon sporadique pour donner des cours, pour surveiller les patinoires, pour des guichetiers, tous ces employés-là. Mais même si on les a embauchés le 15 décembre, il faut renouveler la liste en début d'année. Donc, c'est l'exercice qu'on fait. Là. C'est pourquoi on nous a fait le dépôt, parce que c'est une délégation de responsabilité. Et pour les autres éléments, il n'y a rien de spécifique. Donc, ça complète le dépôt des différents registres. Pour les résolutions suivantes, madame. Merci. Résolution 2017-010 est d'approuver les procès-verbaux de la séance ordinaire du 12 décembre 2016 et des séances extraordinaires des 12 et 15 décembre 2016 et du 16 janvier 2017. Les membres du Conseil déclarent avoir reçu copie des 10 procès-verbaux conformément à la loi et, en conséquence, déclarent les avoir lus et renoncent à leur lecture. Résolution 2017-011 est de prendre acte du procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme en date du 17 janvier 2017 et d'autoriser les services municipaux et intervenants concernés à entreprendre les procédures nécessaires découlant des recommandations contenues au dit procès-verbal. Résolution 2017-012 est d'autoriser la réalisation des projets et travaux apparaissant pour l'année 2017 au programme de dépenses en immobilisation 2017-2018-2019, de même que leur financement, les 10 projets étant financés autrement que par règlement d'emprunt. Et d'autoriser conséquemment l'exécution des travaux municipaux requis, le cas échéant, pour la réalisation des différents projets ainsi financés. Mais peut-être pour 012, je dois dire que ceux qui sont identifiés à chaque fois qu'ils doivent être réalisés, ça doit revenir au conseil municipal pour avoir une résolution qui permet de le faire. Oui. Sentier du Marais, phase 2, c'était quoi, 15 000 $? C'est pour c'est parce qu'on avait rencontré la SACOM et on devait aller les rejoindre. Oui. Puis okay. C'est une partie qu'on fait cette année. Oui. On le fait en étapes pour arriver à faire un circuit. Oui. avec eux. Concernant ces résolutions, je prendrai un proposeur. Monsieur Gaston Morin, appuyé de Monsieur Michel Mercier, est-ce que c'est adopté? Adopté. Résolution 2017-013 est d'accepter le tableau de répartition des quotes-parts payables par les municipalités à la MRC de Montmagny pour l'année 2017 et d'autoriser par conséquent le paiement de la quote-part de la ville de Montmagny s'élevant à 769 654 $ payable sur réception de factures émises par la MRC de Montmagny. Résolution 2017-014 est d'autoriser le paiement d'un montant de 137 800 $ à la MRC de Montmagny, représentant la contribution financière de la ville de Montmagny au développement et à la mise en œuvre d'une stratégie touristique pendant l'année 2017, lequel paiement sera effectué sur réception d'une facture.
Résolution 2017-015 est d'autoriser le paiement au montant de 36 000 $ à la MRC de Montmagny représentant une contribution financière de la Ville de Montmagny pour l'année 2017 au développement d'une stratégie industrielle et ce, en sus de celle de 16 175 $ versée via sa cote-part à la MRC de Montmagny. Cette somme sera payée sur présentation d'une facture. Concernant ces trois résolutions, une pour la MRC, c'est divisé en trois paiements. Celui de la stratégie touristique et celui de la stratégie industrielle. Là, on paie, antérieurement, on payait au CLD, mais comme le CLD est administré maintenant par la MRC, on verse à la MRC, mais c'est reversé au CLD pour assurer le suivi industriel. Donc, pour ces trois résolutions, je prendrai un proposeur. Je propose, M. le maire. M. Marc Laurent, appuyé de... J'appuie. De M. Gaston Caron, est-ce que c'est adopté? Adopté. Résolution 2017-016 est de payer à l'organisme Société de développement économique de Montmagny un montant de 96 190 $, se détaillant comme suit, soit 81 190 $ taxes non applicables pour la promotion pendant l'année 2017 de la Ville de Montmagny en vue du recrutement de nouveaux commerces et institutions pouvant s'implanter sur son territoire et 15 000 $ plus taxes pour le maintien d'un programme de revitalisation du centre-ville pendant l'année 2017. Résolution 2017-017 est d'autoriser le paiement d'un montant de 109 458 $ plus toute taxe applicable à Société de développement économique de Montmagny, représentant la cote-part de la Ville de Montmagny pour l'année 2017 pour le bénéfice de communication régionale Montmagny, regroupant les communications de la MRC de Montmagny et de la Ville de Montmagny, lequel sera versé de la façon suivante, soit en trois versements égaux, les 31 janvier, 1er avril et 1er juillet 2017. Résolution 2017-018 est de payer à la Corporation de la Bibliothèque un montant de 140 000 $, taxes non applicables, pour la gestion des opérations de la Bibliothèque municipale pendant l'année 2017, la dite somme étant payable en deux versements, soit à raison de 35 % du montant le 5 février 2017 et 65 % le 1er avril 2017. Concernant les trois résolutions, bien, vous avez peut-être que les gens qui nous écoutent et qui nous regarderont vont penser qu'on est en train de vider les coffres pour le restant de l'année. Mais annuellement, la première réunion de l'année, c'est souvent le cas. Et on réussit à survivre, mais c'est des obligations qu'on connaissait quand on a fait le budget. C'est juste pour rassurer les citoyens. Oui, on voit passer des gros chiffres, mais... c'est pour acheter des services, bien souvent. Donc, pour ces trois résolutions, je prendrai un proposeur. Je propose. Monsieur Yves Gendreau, appuyé de... Marc Laurent. Monsieur Marc Laurent, est-ce que c'est adopté? Adopté. Résolution 2017-019 est d'établir les modalités pour le versement au Carrefour mondial de l'accordéon de la subvention d'opération octroyée par la Ville à cet organisme pour l'année 2017 via l'entente de développement culturel conclue entre le ministère et la Ville, soit en trois versements égaux de 30 000 $ les 31 janvier, 1er mai et 1er août 2017. Résolution 2017-020 est de confirmer le versement de contributions à divers organismes sans but lucratif pour diverses activités, totalisant un montant de 370 $. Résolution 2017-021 est d'autoriser le paiement de diverses dépenses du conseil municipal, totalisant 5 849 $24. Donc, pour les trois résolutions, je prendrai un proposeur. Je propose, M. le maire. M. Gaston Caron, appuyé de M. Rémi Langevin, est-ce que c'est adopté? Adopté. Résolution 2017-022 est d'autoriser le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la Ville de Montmagny la lettre d'entente numéro 5, par laquelle le syndicat des employés municipaux de Montmagny et la Ville s'entendent pour ajouter un paragraphe à l'article 88 relatif aux vacances annuelles de la convention collective de travail des employés col bleu et celle des employés col blanc, afin de préciser les modalités de paiement des vacances annuelles à un salarié absent pour un motif prévu à la convention, cette lettre d'entente devant faire partie intégrante des dites conventions collectives de travail. Résolution 2017-023 est de nommer Mme Cassie Deschênes à titre de membre du Comité de la famille et des aînés de la Ville de Montmagny, laquelle comblera ainsi le poste laissé vacant suivant le départ de Mme Maryse Jean. Concernant les deux résolutions, je prendrai un proposeur. Propose, M. Gaston Morin, appuyé de M. Yves Gendreau, est-ce que c'est adopté? Adopté. Merci.
Résolution 2017-024 est d'autoriser la directrice des travaux publics et des infrastructures, la directrice adjointe aux infrastructures et le coordonnateur aux infrastructures à formuler pour et au nom de la Ville de Montmagny toute demande de permis d'intervention auprès de Transport Québec en vue de l'exécution de travaux dans l'emprise des routes entretenues par ce dernier pendant la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 et de demander à Transport Québec de n'exiger aucun dépôt de garantie pour tous les coûts estimés de remise en état des éléments de l'emprise des routes n'excédant pas 10 000 $ puisque la Ville de Montmagny s'engage à respecter les clauses des permis d'intervention émis. Résolution 2017-025 est de confirmer au ministère des Transports que les travaux d'entretien de la route verte et pour lesquels une aide financière a été octroyée à la Ville de Montmagny pour l'année 2016 dans le cadre du programme d'aide financière de l'entretien de la route verte ont été exécutés conformément aux stipulations du dit ministère, et ce, au coût de 5 768 $ tel qu'en fait foi le rapport produit par la directrice adjointe aux infrastructures, Mme Sylvie Ouellet, ingénieure, en date du 19 janvier 2017, et de demander en conséquence au ministère de verser à la Ville de Montmagny la subvention octroyée pour les travaux d'entretien de la route verte effectués au cours de la saison 2016. Résolution 2017-026 est d'autoriser M. Jean-François Roy, directeur des loisirs de la culture et de la vie communautaire, à formuler pour et au nom de la Ville de Montmagny une demande d'assistance financière auprès du Mouvement national des Québécois et Québécoises pour l'organisation et la présentation d'activités à Montmagny le 24 juin 2017 dans le cadre de la fête nationale. Pour ces trois résolutions, je prendrai un proposeur. Marc Lorrain. Monsieur Marc Lorrain, appuyé de M. Michel Mercier. Est-ce que c'est adopté? Adopté. 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 Résolution 2017-027 est d'autoriser le directeur des loisirs de la culture et de la vie communautaire ou son représentant à signer pour et au nom de la Ville de Montmagny les protocoles d'entente établissant les conditions et modalités liées à l'achat de visibilité dans le cadre du plan de commandite élaboré pour la nouvelle surfaceuse à glace à l'aréna municipale. Résolution 2017-027 et d'adopter le plan d'intervention d'urgence des travailleurs et des bâtiments de la Ville de Montmagny, daté du 28 novembre 2016 et conçu par la Direction des ressources humaines pour assurer la protection du personnel et des biens lors de situations d'urgence. Résolution 2017-029 est d'adopter le plan de mise en œuvre du comité santé-mieux-être en date du 28 novembre 2016, lequel détermine des actions et interventions à réaliser pendant les années 2017, 2018, 2019, permettant d'atteindre les objectifs ciblés par le dit comité. Donc, je prendrai un proposeur pour ces trois résolutions. Propose, je le mets. Monsieur Gaston Morin, appuyé de. J'appuie. Monsieur Gaston Caron, est-ce que c'est adopté? Adopté. Résolution 2017-030 est de manifester à Réseau des villes innovantes de l'Est du Québec la décision de la Ville de Montmagny face à son projet visant la création d'un fonds régional destiné à l'innovation et, conséquemment, de l'informer qu'elle n'entend pas y contribuer financièrement. Résolution 2017-031 est de vendre à PRB Immobilier un terrain d'une superficie de 426,1 m², connu et désigné comme étant une partie du lot 3,281,853 $, de faire cette vente pour le prix avant-taxe de 17 044 $, soit 40 $ par mètre carré, laquelle somme sera payée comptant par l'acheteur lors de la signature de l'acte de vente, et d'abroger à toute fin que de droit la résolution 2016-534, adoptée aux mêmes fins le 15 décembre 2016. Résolution 2017-032 est d'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale visant la rénovation partielle du bâtiment 6 au 49 rue Saint-Jean-Baptiste-Est et consistant sommairement à la pose d'un revêtement extérieur en déclin de fibres de bois durcies sur la façade ouest du bâtiment et la pose d'un revêtement de tôle émaillée sur une partie de la toiture côté sud-ouest, le dit plan s'avérant après analyse de la part du comité consultatif d'urbanisme, conforme aux critères et objectifs prévus au règlement numéro 915 relatif à l'approbation de plans d'implantation et d'intégration architecturale pour le secteur du centre-ville et ses amendements. Je prendrai un proposeur. Monsieur Yves Gendreau, appuyé de. Monsieur Michel Mercier, est-ce que c'est adopté? Adopté. Merci.
Résolution 2017-033 est d'accepter la demande de dérogation mineure au règlement de zonage formulé par le propriétaire de l'immeuble 6 au 237 boulevard Taché-Est à Montmagny, visant à reconnaître réputé conforme l'entrée charretière actuelle d'une largeur de 9 mètres au lieu de 7 mètres tel que l'exige le règlement de zonage 1100 et ses amendements. Résolution 2017-034 est d'accepter la demande de dérogation mineure au règlement de zonage formulée par le propriétaire de l'immeuble 6 au 17-411 boulevard Taché-Ouest visant à reconnaître réputé conforme l'implantation actuelle du bâtiment principal avec une somme des marges de recul latérale de 7,25 mètres au lieu de 8 mètres tel que l'exige le règlement de zonage 1100 et ses amendements. Résolution 2017-035 est d'accepter la demande de dérogation mineure au règlement de zonage formulée par le propriétaire de l'immeuble 6 au 532 rue du Régiment visant à permettre la construction d'un garage de 94 mètres carrés au lieu de 55 mètres carrés tel que l'exige le règlement de zonage numéro 1100 et ses amendements. Résolution 2017-036 est d'accepter la demande de dérogation mineure au règlement de lotissement formulé par le propriétaire de l'immeuble situé sur la rue des Entrepreneurs sans numéro civique visant à permettre l'implantation d'une rue en forme de cul-de-sac, soit le prolongement de la rue des Entrepreneurs d'une longueur de 640 mètres malgré l'article du règlement de lotissement limitant la longueur à 150 mètres. Concernant ces quatre dérogations mineures, je prendrai un proposeur. Monsieur Rémi Langevin, Julien Deux. Monsieur Gaston Morin, est-ce que c'est adopté? Adopté. Merci. Avis de motion est par les présents donné par le conseiller Monsieur Rémi Langevin qu'à une prochaine assemblée, un règlement sera présenté pour adoption, lequel a pour but de décréter une dépense et un emprunt de 997 500 $ pour le prolongement de la rue des Entrepreneurs. On en serait à la période des questions. Mais peut-être que je vais faire peut-être un peu plus de publicité pour des événements qui vont avoir lieu en ville cette semaine. D'abord, le 26, j'ai accepté d'être président d'honneur sur le spectacle bénéfice de Centraide à la salle Pro-Mutuelle qui a lieu jeudi le 26 à 17h30, cocktail puis spectacle par après. Ça finit très tôt, entre 8h30 et 9h. Et c'est au coût de 60 $, mais Centraide, c'est un organisme qui investit beaucoup dans notre milieu. Il investit à deux créneaux, d'abord les jeunes, puis après les personnes qui vivent l'isolement. Et ce que je peux dire, c'est que l'an passé, pour avoir... Quand je parle de Montmagny, c'est Montmagny-Lillet, là. Je fais pas de chauvinisme avec ça, là. Je pense que des fois, on a avantage à travailler ensemble. Puis on a toujours avantage, mais quand on peut. Et... Centraide a retiré près en collecte de fonds ici dans les deux régions 100 000 $. Il a réinvesti 274 000 auprès d'organismes qui sont en besoin. On pourrait être heureux de la somme qu'ils réinvestissent, mais moi, je ne suis pas tellement heureux de la somme qu'ils réinvestissent. J'aimerais mieux qu'on collecte 274 et qu'ils réinvestissent 100 000. Ça veut dire que notre milieu serait en meilleure santé financière et que nos organismes seraient mieux nantis. Donc, s'il y a des organismes dans le besoin, puis je suis honnête quand je dis ça, les trois MRC les plus pauvres de Chaudière-Appalaches, c'est Etchemin, Montmagny, Lillet. On a une partie sud qui est plus difficile. Et il faut vivre avec notre infrastructure. Il y a des besoins. C'est que j'invite les gens, si vous avez un peu de temps de libre jeudi soir, venez. C'est un spectacle sur les Beatles. Donc, ceux qui ont mon âge ont commencé à sortir avec les Beatles. Ça fait qu'ils se souviennent un peu de cette génération-là. Et en même temps, vous faites un bon geste pour notre communauté. Puis si jamais vous n'avez pas le temps de venir, bien, Centraide est en collecte de fonds. Vous pouvez envoyer un petit montant à Centraide pour les aider à récupérer un petit peu plus d'argent parce qu'il y a beaucoup d'organisations dans notre milieu, en particulier au niveau de la déficience intellectuelle, ceux qui ont des problèmes de santé mentale, les maisons des jeunes, Jardilec à Saint-Lillet. C'est tous des organismes qui sont toujours en besoin parce qu'ils aident les plus démunis.
Donc, je vous invite. Et une chose, que, oui? Bravo et merci, M. le maire, vous occupez de cette cause-là. Est-ce qu'on doit s'acheter des billets à un endroit particulier ou ben, vous réserver? Pouvez, ou... Oui, vous pouvez réserver auprès des Ordres de la Seine, okay. La salle promutuelle. Vous pouvez arriver directement, même si on dépasse un peu le nombre de spectateurs, et il n'y a pas de problématique. Il y en a qui vont en salle, puis l'écran géant est du côté du bord. Il y en a qui font du maillage du côté du bord, puis il y en a d'autres qui vont aller écouter de l'autre côté, puis les gens se promènent d'un côté à l'autre. Donc, c'est très, très libéral comme soirée, là. On peut l'utiliser à notre escient. En même temps, on fait un bon don pour... Mais oui, tout le monde est invité. Puis on a peut-être 232 billets à l'heure actuelle sur 250 de vendus. Puis même si on en vend 260, c'est pas une problématique. Ça va être juste un bénéfice supplémentaire. Donc, très important. Mais j'ai accepté parce que je connais beaucoup la réalité, notre réalité par rapport au restant de la région. Je pense qu'on doit s'investir pour aider les gens qui sont plus démunis. L'autre événement que je veux vous... C'est la deuxième fin de semaine du tournoi Pee-Wee. La fin de semaine qui vient de passer, il y a des équipes de Montmagny qui ont eu d'excellents résultats, qui ont B puis BB, je sais, 2B. 2B. Qui ont gagné la finale. Mais c'est pas parce qu'on gagne la finale qu'on va au tournoi Pee-Wee. On va là pour encourager les jeunes qui s'investissent dans un sport, puis qui font... Selon la conscience populaire, qui sont tous sur des jeux en ligne, puis sur informatique, puis qui ne sont plus dehors, là, il y en a qui s'activent encore, malgré tous les propos ou les perceptions des gens. Donc, on vous invite, parce que les bénévoles travaillent 12 mois pour un événement qui dure du jeudi au dimanche, deux grandes fins de semaine. Ces gens-là sont heureux quand ils voient beaucoup de monde dans les gradins. Donc, je vous invite. J'invite toute la région, là, si on nous entend ailleurs, là, vous êtes les bienvenus. Donc, ça complète un petit peu mon tour d'horizon des événements de la semaine. Et je serais prêt peut-être à accepter une levée de la séance par quelqu'un qui serait prêt à me la proposer. Propose. Monsieur Michel Mercier, appuyez de. Marc Lorrain. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Merci beaucoup de nous avoir regardés. Écoutez-nous. Je pense que vous pouvez le faire de façon différente. Les moyens modernes nous permettent de communiquer avec notre conseil municipal ou à recevoir de l'information. Vous avez des questions, gênez-vous pas, les gens qui travaillent pour vous, parce qu'on est tous vos employés. Nous, on est élus pour gérer votre municipalité, d'aider à gérer votre municipalité de la façon la plus économique possible, avec la meilleure qualité de service, et vous offrir le meilleur service possible. Et les gens qui travaillent au niveau de l'administration, ils travaillent à vous donner exactement comme nous le meilleur service possible. Donc, on commence une nouvelle année 2017. On a encore une certaine loyauté avec nos citoyens. On va l'assumer. Parce qu'on a une année de travail et on a des beaux projets encore pour 2017. Puis, je nie pas que c'est une année électorale, mais pour le moment, moi, je suis en mode travail. Merci beaucoup et je vous souhaite une bonne semaine à tous. Et la prochaine, c'est quand, monsieur, madame Lagraffière? Le 6 février. Le 6 février, la prochaine télévisée. À ce moment-là, on vous dira quand la prochaine. À la prochaine.